Donc, nous sommes en Éthiopie en 76 et j'ai dû licencier les membres de l'équipe qui étaient prévus. Mais comme les évêques insistaient pour que quelqu'un vienne, je suis parti quand même. On est venu de nouveau me chercher à l'aéroport d'Addis Abeba dans un Land Rover blindé. Ça tirait dans tous les coins. Addis Abeba même, on enjambait les cadavres dans les rues, on s'échangeait des kalachnikovs entre copains. Et à la cathédrale, on est monté dans une chambre haute où étaient réunis les évêques. C'est pas très nombreux, il devait y avoir une douzaine grand maximum des dignitaires de l'Église catholique de l'Éthiopie. C'est une chrétienté copte de très longue date. Bien avant que l'Europe fût christianisée, l'Éthiopie était déjà chrétienne. Et ils étaient tout contents que quelqu'un vienne du dehors et éclairer leur lanterne. Et j'ai commencé tout de suite en disant le slogan de Mengistu, c'était « Éthiopia tikdem », « Éthiopie d'abord, avant tout ». Et je dis, mais je viens de la Tanzanie, où effectivement, c'était le socialisme africain, l'Ujamaa, la débrouille. Quand les choses s'empirent, comme l'aurait dit le camarade Marx, il est temps de bifurquer tout autrement. C'est plus le moment de s'occuper de l'africanisation de la liturgie, de se demander si les prêtres doivent se marier ou pas. Ça, c'est en supplément. Maintenant, on est là face à des choix, soit Jésus, avec son idéal de libération intérieure de toute oppression idéologique et institutionnelle, soit Marx, qui est rué dans les brancards, révolutionner, abattre le système. Et j'ai parlé aussi du christianisme au Vietnam qui se trouvait dans les mêmes situations où effectivement refaire la cuisine cléricale, ça devient un luxe quand les choses se corsent. Là, il y avait un immense patriarche assis sur un trône, il y avait des évêques un peu plus minces et maigre, un nonce apostolique qui ne savait pas sur quel pied danser, et moi qui essayais d'expliquer les enjeux qui devenaient autrement plus cruciaux que ecclésiastiques. Ah, ils ont dit « Merci beaucoup, monsieur le professeur, c'est vraiment ça, on est quand même dans des sacrés draps. » Et puis, on vous encourage de sillonner le pays, d'aller interviewer les gens, de discuter avec le clergé, etc., etc. Et vous avez carte blanche pour vos enquêtes. Et puis, on a dit, mais quel est le point suivant sur l'agenda? Ils avaient un agenda. Et je dis, on entendait siffler les bazookas et craqueler les kalachnikovs dans les cours de l'église. Et ils ont dit, voilà, il y a un problème, c'est que maintenant que la révolution est là, les sœurs doivent se mettre à s'habiller en laïcs. Ce n'est plus prudent de se promener en habits religieux. Mais quand même, il faut pas exagérer. Il faut pas qu'on voit leurs nichons. Il faut qu'elles aient des blousons opaques. Je dis, c'est complètement hallucinant, quoi. On ramassait les cadavres à droite et à gauche, ils sont en train de déblatérer sous le see-through blouse. Moi, j'ai dit, bon, ça va, j'ai compris. Après, j'ai de nouveau eu une chance de pouvoir sillonner le pays, amener à droite et à gauche par les pères, discuter beaucoup avec les fidèles, assister à des scènes parfois exaltantes, parfois
assez lugubre. Mais la scène, c'est ça qui m'a inspiré le titre du rapport, du bouquin « Ethiopia Tiktem », c'est que dans une paroisse, on avait réuni les gens. J'ai expliqué quel était le but de ma présence, etc. Et le chef de la paroisse, du conseil paroissial, qui était aussi le chef de la communauté, s'est levé et il est parti. Moi, je dis, j'ai encore mis mes gros sabots dans la soupe, parce qu'il est revenu, habillé à l'ancien, avec un superbe habit tout blanc, brodé, le fameux chama éthiopien, avec un poulet en main. Et il s'est courbé, il a rampé le long du mur pour se mettre finalement devant mes pieds. Et puis tout d'un coup, il s'est redressé, il a presque fait. Il a dit, c'est ça, Ethiopia Tiktem. Plus personne doit s'incliner devant qui que ce soit. Nous sommes tous égaux. Parce qu'il a dit, il y a à peine un mois, les nobles Amhara, ça veut dire l'élite de l'Abyssinie, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'Addis Abeba maintenant est au milieu de l'Éthiopie. À l'époque de Menelik, le grand-père de Haïlé Selassie, c'était à la frontière sud de l'Éthiopie. Et puis Menelik, face au scramble pour l'Afrique, face à la ruée sur l'Afrique des pouvoirs occidentaux, et dans le coin italien, a dit, il faut que je me débrouille aussi. Alors il est parti avec ses armées conquérir le sud et les peuples noirs. Les peuples noirs du sud de l'Éthiopie. Et donc, où est-ce que j'en étais là? Il est parti conquérir les... Oui, lui, il est parti conquérir le sud de l'Éthiopie. Et pourquoi est-ce que je parlais de ça? Je ne me rappelle pas. Avant. On est dans la question de la révolution en Éthiopie. Et il y a cette réaction que tu décris de rébellion, en quelque sorte, par rapport à... Ah oui, oui, oui. Voilà. Ouais. Ça me revient. Et donc, il a dit que un mois auparavant, en pleine famine, ça veut dire, c'est ça qui était terrible, l'Éthiopie, avant la révolution, c'est un peu la famine qui a occasionné la révolution, les gens mouraient, mais vraiment, c'était terrible. C'est à la télévision, même chez nous, on voyait les gens absolument dans des théories et des processions d'affamés qui essayaient de rejoindre la capitale. Il a dit les nobles abyssins venaient pour la dîme. Ça veut dire qu'ils avaient droit à un dixième et même plus de tout ce qu'on avait malgré tout pu récolter. 10 sacs, 5 pour moi. Je voulais 5. 10 régimes de bananes. Parce qu'il mangeait un sort de banane, le N7, qui n'est pas une banane sucrée, mais qui est une espèce de patate douce. Le noble, dans une inconscience totale, pas par méchanceté, c'est ça qui est terrible. Je n'incrimine pas les individus, mais il avait droit à sa quote-part, à sa dîme, et il repartait avec la moitié des récoltes, des gens qui crevaient de faim. Donc, dans une inconscience totale. Et Mengistu, malgré tout ce qu'il a fait après, malgré tout ce qu'il a fait auparavant, avait néanmoins libéré les gens de cette classe aristocratique qui n'était ni mieux ni pire que les aristocraties russes ou françaises à la veille des révolutions. Ce qui est un peu triste aussi, c'est qu'on reprochait à Mengistu de ne pas être un abyssin pur. Il y avait du racisme en l'air. On l'accusait d'être d'origine esclavagiste, ce qui n'est pas tout à fait politiquement correct par les temps qui courent. Et Mengistu a voulu... C'était pour moi, et pour d'autres à l'époque, je me rappelle un article dans Le Monde diplomatique qui avait dit que c'était la seule vraie révolution que l'Afrique moderne ait connue.
Dans d'autres circonstances, lors des indépendances des années 60, on a tout simplement changé la couleur du pouvoir. On a remplacé les blancs par les noirs. Ça n'a pas changé grand-chose au niveau de la situation socio-économique des gens. Ça, c'est même parfois sérieusement dégénéré. Mais Mengistu a dit tout pouvoir au peuple. Il y avait une sorte de mouvement centripète qu'il ne maîtrisait plus. Les gens disaient merci beaucoup et au niveau local, chaque communauté villageoise reprenait en main un pouvoir des plus égalitaristes. Ouais. C'est tragique de le dire, mais j'ai accompagné. Parce que Mengistu avait fermé l'université pendant une année et les 60 000 étudiants avaient été envoyés deux par deux, comme les apôtres de Jésus, conscientiser les masses à la bonne nouvelle du marxisme-léninisme scientifique. Et ça s'appelait les Zemecha. Et j'ai accompagné deux Zemecha dans un village. Et nous étions réunis avec les aînés du village, tous les villageois autour de nous, et on discutait effectivement des droits de l'homme, etc., des droits à la terre, parce que la terre ne leur appartenait pas toujours en plein droit. Et quelqu'un est passé avec un transistor, et les Zemecha ont dit « Mais c'est qui ça ?»« Ah oui, oui, ça doit être un capitaliste !» Et on l'a tué sur le champ, uniquement parce qu'il avait un transistor. Bon, les Zemecha, parfois, ont payé le prix fort aussi. Ils sont allés dans le sud, chez ces peuples noirs, pour leur expliquer qu'il fallait arrêter de faire de la pluie avec des gris-gris, que la sorcellerie était interdite par Marx. Et ils se sont fait zigouiller, carrément, par les sorciers du cru. Donc, les révolutions, on casse des omelettes. L'omelette n'est pas toujours très au goût de tout le monde. Ce qui m'a étonné aussi, parce que je suis parti au nord de l'Éthiopie, je devais aller vers le Tigré, qui était en pleine révolution aussi. Il y avait déjà une contre-révolution contre Mengistu. Mais j'avais des confrères à Adigra, dans le nord, que je voulais voir et avoir leur avis. Ils m'avaient faxé pour dire de ne pas venir, parce que la révolution non seulement grondait, mais éclatait dans tous les coins. Moi, je n'ai pas reçu le fax, donc je suis parti 3 jours dans un bus avec une brave sœur éthiopienne, dans des conditions absolument préhistoriques. Et nous sommes quand même arrivés à ce moment, le bus s'arrête, parce qu'il y a un char en face, il a dit, bon, ici, on descend et vous faites le reste du chemin à pied. Mais dans le bus, si vous voulez, pendant ces 3 jours, j'étais sur le banc arrière avec une demi-douzaine de ces jeunes étudiants, les Zemecha. Et au départ à Addis Abeba, est monté dans le bus un aveugle avec un gamin qui le conduisait. Et il psalmodiait les psaumes de David. Et tous les gens, moi-même inclus, lui ont donné un sou. On ne sait jamais, si vous maudit, vous allez tomber dans un ravin. Puis immédiatement, l'aveugle copte, croyant, débarqué, monte à bord un autre bonhomme avec tout un tas de petites pamphlettes. La pensée de Mao, le marxisme, le léninisme, dans toute sa splendeur. Et ils vendaient ça aussi pour des prix défiant toute concurrence. Et tout le monde achetait ça aussi. Ben, on ne sait jamais si les marxistes, les léninistes ont des malédictions massives. On est mal fichu aussi. Et c'était assez fascinant. Je n'ai jamais connu ça en Tanzanie. On a discuté de choses et d'autres. Mais le peuple n'était pas politisé au point qu'il était en Éthiopie. Parce que Haïlé Selassie était excessivement censurant. Il y a des romans du genre La peste de Camus et tout ça étaient interdits, si vous voulez, a fortiori toute la pensée marxiste. Et donc, pour les chrétiens, pour les braves bonnes sœurs de Saint-Vincent-de-Paul
que j'ai connues et qui m'ont aidé à faire les enquêtes, pour elles, c'était comment est-ce qu'on nous a interdit ça. Elles étaient devant le Saint-Sacrement en train de prier en lisant le petit bouquin rouge de Mao parce que ça leur paraissait plus évangélique que les évangiles eux-mêmes, si tu veux. C'était très émouvant. Il y a une sorte d'effervescence et d'un enthousiasme que d'un monde totalement nouveau où tout le monde s'aimait, où tout le monde partageait, qui a mal tourné, comme toutes les révolutions. Ce qui m'a frappé, si vous voulez, j'ai fait quand même pas mal de théories marxistes-léninistes dans la grégorienne et dans les séminaires. Ces gens n'avaient aucune idée de la subtilité de la pensée marxiste. Il y a le jeune Marx, il y a le vieux Marx, il y a Engels qui n'a rien compris, il y a Lénine qui a tout salopé, etc. etc. Mais pour eux, ce n'était pas ça. Et ça montre à la limite, les limites, je crois, de toutes ces formations trop intellectualistes. C'est-à-dire, on croit que pour résoudre le problème de l'islamisme radical, il faut que les gens soient au courant de ce qu'est l'islam. Moi, je dis, ça sert toujours, c'est jamais perdu, mais c'est pas en apprenant le Coran par cœur ou en se familiarisant avec la théologie de l'islam qu'on va pouvoir dialoguer avec les radicalisés. Ils sont sur un autre. Il y a des limites, si vous voulez, dans le domaine du dialogue interculturel. Le input intellectuel atteint très vite ses limites. Le problème, le bas-blesse, ne blesse pas au niveau des idées claires et nettes. Il faut sympathiser, il faut cheminer avec, il faut partager, il faut limiter les dégâts du dedans, mais c'est pas en expliquant la différence entre le jeune Marx et le vieux Marx qu'on allait calmer les ardeurs et l'agressivité de ces jeunes qui voulaient tout mettre par terre pour tout reconstruire à nouveau. Donc, c'était plus compliqué en Éthiopie que même au Nigeria. Je n'ai pas pu distribuer des questionnaires, mais j'ai rencontré beaucoup de gens. J'ai sillonné le pays du nord au sud, d'est en ouest. Je suis même allé vers la Somalie, vers Djibouti, ça aussi, les anthropologues vivent dangereusement. J'ai pris un petit train pour aller vers Dire Dawa, dans le désert du Danakil. Ça tenait tout juste sur les rails. À un certain moment, ça s'arrête net, si tu veux. Il y avait plus de soldats armés dans le train que de simples voyageurs. Tous les soldats sautent par terre, ils commencent à tirer sur des pauvres cactus, sur les pauvres figues de barbarie, parce que la semaine auparavant, les shiftas, les bandits, ça veut dire dans ces coins-là, le sport favori des ethnies du cru, c'est de rançonner les gens. Et il y avait, en fait, heureusement, il n'y avait pas grand monde. Il y avait quelques affaires, quelques isas. Ce n'était pas très rassurant parce qu'ils avaient des espèces de colliers autour de leur cou. Et vu de près, ce n'était pas des scalps, c'était des organes génitaux des gens qui avaient passé un mauvais quart d'heure la semaine auparavant. Parce qu'ils avaient rançonné le même train. Ils avaient dévalisé tout le monde, même les bonnes sœurs ont dû faire marche arrière à pied, en slip et en soutien-gorge. Donc, c'était pas... Quand tu vis dans des situations comme ça, c'est pas évident, je dirais, de discuter des choses et d'autres de façon calme et pondérée. Et donc, dans le rapport, effectivement, J'ai proposé, entre guillemets, ou j'ai suggéré aux évêques qu'effectivement, ce n'était plus le moment de penser
à reformuler les dogmes ou à africaniser davantage la liturgie, mais que les vrais enjeux, c'était les évangiles et une certaine dignité, justice de base entre les hommes. Bon, ça n'a pas pris non plus. Je te disais tout à l'heure que c'est entre guillemets à cause de ces expériences que je me suis rendu compte de l'équivoque de l'expertise. C'est-à-dire l'expert imagine que n'étant pas à ce point impliqué, étant purement raisonneur et raisonnable, que lui va mettre les doigts sur la véritable solution, le remède objectif, le one best way, la seule solution qui s'impose au vu des circonstances concrètes. Ça se passe jamais comme ça, parce que vos interlocuteurs ne sont pas du tout dans le même lieu que vous. Vous êtes libre de vos moyens, vous allez pouvoir être rapatrié si ça tourne mal, etc., etc. Les décideurs doivent décider en fonction de toutes autres circonstances et des enjeux que ceux qui vous ont passé par la tête en échangeant avec les gens du cru. Voilà, l'Éthiopie, c'est fini. Je reviens en Belgique, de nouveau à Promonde Vita. Entre-temps, on sent que le vent tourne, si vous voulez. Le concile a ouvert les fenêtres, le vent du changement a soufflé, mais les évêques et leurs théologiens et leurs experts sont retournés dans leurs pays respectifs. À Rome même, rien n'a changé. Les mêmes monseigneurs qui étaient là avant le concile sont toujours là 4 années après. C'est eux qui filtrent les nouvelles, c'est eux qui renseignent et enseignent le pape. Le système, si tu veux, n'a pas subi de changement radical. C'est toujours exactement le même système clérical qui perdure. Et donc, on sent à Promonde Vita et d'autres lieux de la réflexion critique et constructive qu'il devient de plus en plus difficile d'abattre ces cartes. Le brave père Kerkhoffs, en lisant les dossiers que je préparais, disait non, ça, il faut l'enlever, il faut le mettre en note. Dans le texte, l'évêque pressé, il va lire ça vite. Son secrétaire, plus futé, plus rusé, lui, il a le temps de lire les notes en bas des pages où vous pouvez mettre le paquet et proposer des alternatives un peu plus costauds. Mais petit à petit, si vous voulez, à Promonde Vita, ça devenait, pour moi, une question de conscience. C'est-à-dire, tout ce que j'écrivais ne passait plus, il fallait sucrer davantage la pilule, il fallait cacher son jeu, il fallait serrer tellement les lignes qu'on ne pouvait plus lire entre les lignes. Et donc, j'ai dit à Kerkhoffs, écoute, tu me payes pour faire ce boulot. Je lui ai dit, dans l'Église catholique, on a toujours cru que la foi était aussi en partie une question de raison. On définissait la théologie comme intellectum, fides querens intellectum, la foi cherchant à se comprendre et à se faire comprendre. La compréhension est un facteur de la culture ou de la situation socio-historique où vous vous trouvez. Si vous êtes au Moyen-Âge, la façon dont vous allez pouvoir et devoir comprendre votre foi va être grâce à la métaphysique d'Aristote, à la théologie de saint Thomas. Aujourd'hui, la compréhension de la foi doit être une question de raisonnement
imprégnée de critères de crédibilité qui viennent des horizons des sciences humaines. De nouveau, vous ne pouvez pas être partout à la fois. Vous ne pouvez pas avoir cette métaphysique moyenâgeuse et en même temps la rationalité de la sociologie, de la psychologie et de l'anthropologie. Et moi, je dis, malheureusement, on sent que dans l'Église, on se ferme, si vous voulez, sur cette rationalisation de la foi en termes des sciences humaines, et on est de nouveau retourné à une sorte de mysticisme, de foi aveugle. Paradoxalement, dans une Église catholique qui a toujours dit qu'il est possible d'arriver au seuil de la foi en raisonnant. Saint Augustin disait la Trinité n'est pas si bizarre que ça, parce qu'il y a 36 choses dans la nature, de nature trine, comme le trèfle, etc. Et donc la Trinité, vous arrivez d'en bas, un petit coup de pouce, et vous êtes dans le dogme de la Trinité. Nous, on a toujours cru dans l'Église qu'il était possible d'arriver au plafond de la foi, et puis un petit coup de pouce, on était sous le plancher de l'autre côté de la foi véritable. Les protestants ont toujours dit non, la foi c'était à laisser apprendre, c'est Dieu qui donne, et il n'y a rien à expliquer là-dedans, et ça n'a rien à faire avec la raison humaine. Et moi j'ai dit, dans l'Église, on est de plus en plus allant vers cette espèce de à laisser apprendre sans raisonner. Il y avait à ce moment-là, dans l'Église aussi, une sorte de mouvement charismatique. Ça veut dire qu'on commençait à tomber dans le panneau des assemblées de Dieu. L'inspiration vient d'en haut, les gens parlaient en langue, ils guérissaient. On était de nouveau dans cette espèce d'effervescence eschatologique des premiers mouvements chrétiens. Moi, je n'ai rien contre, si vous voulez, mais je dis, moi, je ne pouvais pas, sauf à me suicider intellectuellement, continuer à travailler dans cette atmosphère-là. Donc j'ai dit à Kerckhoffs, écoute, je me réoriente, je suis allé aussi évidemment chez les Pères Blancs en disant, écoute, je ne me sens plus à même d'être utile dans ce cadre clérical-là. Est-ce que vous croyez avoir encore besoin de quelqu'un comme moi dans la mouvance missionnaire? Et le supérieur avec qui je dialoguais, un type très ouvert. Je suis toujours resté très ami avec les Pères Blancs. J'ai continué à travailler dans les revues des Pères Blancs, etc., etc., et d'avoir des contacts. Mais il a dit, Mike, non, honnêtement, comme j'ai dit, le programme, c'était de convertir les païens, et c'est le contraire qui est arrivé, c'est les païens qui t'ont converti, et donc c'est peut-être mieux qu'on se quitte en amis. Et donc c'est comme ça que, à l'amiable, en 79, j'ai dit adieu à ce monde missionnaire, et à Promondi Vita, j'allais rentrer chez moi, trouver du boulot en Angleterre, quand une opportunité est apparue pour travailler dans le cadre de la coopération en Belgique, que je vous expliquerai en quelques secondes.